Alors nous sommes donc au lieu de rendez-vous, un petit Edas. Bon, je fais quand même remarquer que nous ne sommes pas là pour semer le chaos, le désordre. C'est tout à notre honneur. Hein. Contrairement aux antifas qui, eux, ne cessent de semer la discorde, le désordre, qui cassent, nous sommes au moins bien éduqués. Les antifas, tu vois. Il faut être fier de son appartenance, hein, à la race supérieure de ceux qui ne votent pas républicain. Il est content là, il peut. Ah oui, oui. Il partit plus dans l'évidence. Ah mais tu as raison. La race supérieure des. La race blanche. Non, des gens qui ont des convictions royalistes et qui les tiennent. Voilà, des homophobes assumés. Ceux les vrais fascistes, ce sont ceux qui nous taxent d'homophobes. L'homophobie, c'est avoir être homophobe, c'est avoir un comportement normal, sain, sensé. Hein, ce sont les détraqués qui tolèrent les enculages publics. Bientôt, ça va être l'enculage public. Là, ce sont les gay pride. Bientôt, Non, mais c'est vrai. On en riait avant. On riait. Moi, je suis d'une génération où on rigolait du mariage des enculés. Mais aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Il y a même des drag queens qui viennent dans des écoles pour dire. Ah, bah oui, je sais bien. De 6 ans, ouais. Je sais bien. Vous êtes des gros pédés. Elles viennent sous coke complètement défoncer, pervertir les gamins. Ça mérite une balle dans la tête. Pas avant qu'ils pouvaient poursuivre ça, c'était rangé dans les placards à mythes, mais maintenant on les met à la lumière, pervertir le monde. N'hésitez pas à vous rapprocher vers la banderole, s'il vous plaît. Voilà, je contrefilme une. Oui. Comment ? Vous filmez l'interview ? Je filme tout. Voilà, okay. C'est pour mes archives personnelles. D'accord. Voilà. Votre prénom, votre nom et pourquoi vous êtes là ce soir ? Alors je m'appelle Raphaël Zachary de Isara et je suis là alors parce que je suis royaliste et puis je soutiens l'idéologie voilà, qui est défendue ici, c'est-à-dire le maintien des traditions, la chrétienté, toutes les valeurs ancestrales qui ont fait que la France est censée être éternelle. Or, on constate qu'aujourd'hui, elle est en train de s'effondrer. Donc, je suis là pour soutenir tous ces vaillants et courageux défenseurs de la cause suprême. Pourquoi c'est important d'être là ? Parce que nous sommes extra-minoritaires. Et c'est le temps de la décadence. Donc, il est temps de brandir les drapeaux royalistes en ce siècle où tout est quasiment dénaturé, quoi. Ok. Et merci. Voilà. Je vous en prie. C'était court. Je m'attendais à plus. Prends ton fusil Grégoire. Prends ta gourde pour boire. Prends ta vierge d'ivoire. Nos messieurs sont partis pour chasser la perdrix. Monsieur Charette a dit à ce lourou, Monsieur Charette a dit à ce lourou, mes bijoux, pour mieux tirer, mettez-vous à genoux, prends ton fusil. Je crois qu'on va en terminer là. Bien, merci à tous pour cette nouvelle édition. Ceux qui ont emprunté des drapeaux, etc. Nous danserons, jetez à l'onde vos dons voués au déshonneur. Nous n'avons qu'un honneur au monde, c'est l'honneur de notre Seigneur. Nous n'avons qu'un honneur au monde, c'est l'honneur de notre Seigneur. Les bleus chez nous dansons la ronde, boirons le sang de votre cœur. Chez vous dansons la ronde, boirons le sang de votre cœur. Nous n'avons qu'un espoir au monde, c'est le cœur de notre Seigneur. Nous n'avons qu'un espoir au monde, c'est le cœur de notre Seigneur.